Yo la famille, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous faites une bonne reprise pour mes amis de la Côte d'Ivoire et bon début de journée pour mes amis de l'extérieur. On va aller rapidement. Vous avez déjà vu le titre, je vais vous faire regarder la vidéo et puis après faire mon interprétation. Donc bon visionnage. D'abord, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour mon anniversaire. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. On peut attendre pour tout le monde. Vraiment, moi, Suspect 95, c'est la première fois que j'ai à fêter mon anniversaire. De toute ma vie, je n'ai jamais fêté l'anniversaire depuis le Sud. Donc, vous pouvez voir, savoir comment je suis content de voir tout ce beau monde là pour moi, les artistes internationaux. Je sais que vous m'attendez, ouais. C'est là l'école, frère, arrêtez ça un peu. Les artistes internationaux qui sont venus pour soutenir leurs petits frères, leurs camarades, je suis tellement honoré. Applaudissez pour vous, maman, s'il vous plaît. Je vais inciter un peu mon staff d'abord. On vient d'arriver de San Pedro. Ils sont venus le gâteau, mais il n'a pas bougé. Donc on va faire semblant. C'est la bougie qui est en train de tuer. Je profite pour faire un vœu. Joyeux anniversaire. C'est bonjour quand même, hein? Quand même. On sait que c'est ta première fois, mais il faut te mettre là. Tu as l'honneur, il y a assez d'artistes autour de toi. Voilà, on dit que tu es la star. Applaudissez pour Suspect 95, s'il vous plaît. Merci, mon frère. Non, c'est un honneur, c'est un honneur. Ensemble, on va chanter pour toi. Et puis toi, maintenant, tu vas chanter pour nous après. Voilà, c'est bon? Ensemble, s'il vous plaît. Un, deux et trois. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Suspect 95. Joyeux anniversaire, la bougie est venue en retard. C'est pas grave, c'est une fontaine, donc t'as encore besoin de souffler, ok? Bon, laisse, on a son enfant. Applaudissez pour Suspect. C'est où il est là, mes places. Encore merci Ariel pour le déplacement. Merci à tous ceux qui sont venus. On va faire le show. En tout cas, c'est maintenant qu'on va faire notre show. Mais j'aimerais juste vous dire merci encore. Merci à tous ceux qui sont venus. On va couper le gâteau, on va faire semblant de manger, parce que ça ne peut pas nous rassasier. Applaudissons pour nous, applaudissons, applaudissons. Coupez, vous allez donner un peu à mes invités là. Yo la famille, vous avez regardé la vidéo, hein? Voilà, vous avez regardé la vidéo. Avant de commencer mon discours, j'aimerais que vous me dites vraiment ce que vous pensez, ce que vous avez vu en commentaire. Ne regardez même pas mon interprétation, dites-moi sincèrement ce que vous avez vu. Parce qu'apparemment, beaucoup de personnes, certains internautes, même des influenceurs, veulent en faire une polémique. Mais moi, je ne trouve aucun argument dans cette vidéo pour en faire une polémique. Voilà. Moi, j'ai déjà que, j'ai déjà, je félicite ces stars-là qui ont effectué le déplacement pour aller à l'anniversaire de leur jeune frère. Voilà, Suspect 95, c'est un jeune frère, vraiment, vraiment un jeune frère. Je pense qu'il doit avoir 23 ou 24 ans. Donc, voir toutes ces stars-là autour de lui, l'entourer, lui, c'est ton joyeux anniversaire. Je pense que c'est déjà quelque chose. Voilà, parce que, mine de rien, c'est pas toute la musique ivoirienne qui est présente là derrière lui. Donc, ceux qui se sont déplacés, c'est déjà un signe d'humilité et d'encouragement et de soutien. Voilà, parce que dire que ces personnes n'étaient pas sincères autour de lui, parce que, comme quoi, elles étaient tristes ou bien elles étaient un peu froides. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis vraiment pas d'accord. Parce que par moment, ces personnes-là laissaient entrevoir un sourire. Donc, moi je pense que
il ne serait pas bien de vouloir toujours créer des guerres entre les artistes. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien voir quand il y a des clashs au sein des artistes. Or, moi, ma philosophie, je me dis toujours qu'on n'a pas forcément besoin de clash dans un game pour faire éclore une musique ou bien pour développer sa propre carrière. Non, moi, je pense pas. Je pense vraiment pas. Voilà. Moi, j'étais fier de voir un Didi B comme ça à l'anniversaire de Suspect 95. J'étais fier de voir un Safarel Obiang, une Zota, une Annie Choco à l'anniversaire de de Suspect 95. Donc, je voudrais que vous vous calmez. J'aimerais que vous vous calmez. Et puis, j'aimerais aussi que vous ayez cette mentalité que j'ai, de vouloir toujours concilier et réconcilier. Voilà. Parce que souvent, à vouloir créer un théâtre de clash, ça devient autre chose. Et puis ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchirures entre les artistes. Et moi, je ne suis pas pour ça. Moi, franchement, je ne suis pas pour ça. Voilà. Bon. D'autres diront que je suis en train de répondre à mon aîné, Will Steph. Non. Will Steph, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, 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 énormément. Et ça ne changera pas. Voilà, je ne commente pas ses vidéos, mais je me suis permis de commenter sa dernière vidéo parce que je me suis dit que cette fois-ci, son analyse n'a pas été trop bonne. Voilà, il y avait quelques vérités dedans, mais dans l'ensemble, moi, ça ne m'a pas plu. Donc, bon, je lui ai laissé un commentaire. Donc, c'est ça un peu, voilà. Parce que quand tu vois Suspect 95, c'est vrai que dans le départ, ça a été biaisé parce que c'est pas lui qui devait faire le commentaire et tout. Mais je sais qu'au préalable, il y a quelqu'un qui l'a invité. C'est l'anniversaire de Suspect 95 et tout. Et puis il a voulu il a voulu échanger quelques mots, dire son remerciement à tous ceux qui ont fait effectuer le déplacement. Chose normale, vous comprenez un peu. Mais Allah dit que bon. Et les gens qui étaient là n'étaient pas sincères de venir à cet anniversaire là, franchement, le grandeau. Moi, je pense que là, tu as un peu fait fausse route, honnêtement. Voilà, c'est pas un clash, s'il te plaît, parce que moi je te respecte beaucoup. Ouais, et puis je ne désire même pas que tu me répondes. Voilà, mais je réagis ainsi par rapport aux internautes qui nous suivent en fait, parce que tu es suivi, comme je le suis aussi. Donc, j'aimerais pas que les gens interprètent cela autrement. Voilà, moi je suis très content. Il paraît que c'était une très belle fête. Et puis il y a d'autres mecs qui ont interprété le fait que Ariel Chenet ait arraché le micro à Suspect 95. C'était rien de mal. Et puis quand vous entendez le discours que Ariel Chenet fait après, vous voyez que c'est vraiment rien de mal. C'est des gens petit, qui connaissent pas les trucs, demandent le micro et puis bon, et puis on en passe et tout. C'est rien de mal. Donc j'aimerais vous dire d'éviter de créer la division au sein des artistes. Les clashs, c'est bon, mais c'est un couteau à double tranchant. Voilà, souvent ça dérape. Et puis nous, on est vraiment fatigué de ces clashs. On ne peut pas finir dans la musique ivoirienne. Voilà, on veut une musique où il y a beaucoup de collaborations, beaucoup de featuring, comme le font les Camerounais, les Nigériens et autres. Voilà, donc c'était mon avis. Partagez-la si la vidéo vous a plu. Et puis, ciao, ciao. Bonne semaine. Bonne reprise de semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.